Aujourd'hui, le service client, c'est aussi de faire bosser les clients. C'est assez comique, mais de plus en plus, on fait travailler les gens. Les gens doivent prendre eux-mêmes leurs billets sur Internet. Ils doivent eux-mêmes encoder les différents articles. Il n'y a pas tellement longtemps, je suis allé chez DHL. On m'a dit, voilà, si vous venez au comptoir, c'est 60 €. Mais si vous le faites vous-même, c'est 30 €. Donc, on m'a donné un ordinateur, on m'a dit, ben, vous n'avez plus qu'à rentrer toutes vos données, etc. Alors, c'est super, hein, c'est bien de faire ça parce que ça peut peut-être éviter d'avoir des problèmes, puisqu'il y a peut-être moins d'erreurs, puisque la personne le fait elle-même. Mais il ne faut jamais oublier que tous les services automatisés qu'on met en route font gagner de l'argent à l'entreprise parce qu'elles économisent du personnel dans l'entreprise et ça permet surtout d'aller plus vite. Mais il ne faut jamais oublier que le service client, c'est d'abord une relation avec une personne. Le client n'est pas un numéro, le client est un humain, je ne cesserai jamais de le répéter. Alors c'est super d'avoir des systèmes automatisés, mais regardez bien, les plus grandes entreprises au monde qui gagnent de l'argent ont aussi un service client humain avec une personne qui peut répondre au téléphone, avec une interaction comme par exemple AppleCare, où on peut appeler un numéro de téléphone si on a un problème, ou bien Uber, on peut appeler le chauffeur si le chauffeur n'est pas là ou s'il y a un problème particulier. Il ne faut jamais oublier que le client, ce n'est pas un numéro, ce n'est pas un bon de commande. Le client, c'est d'abord un humain. Si vous devez digitaliser votre service client, c'est génial, c'est super, c'est une très bonne chose, à condition de ne pas supprimer l'humain. Parce que si vous le faites, vous risquez de perdre tous vos clients. J'espère que cette idée vous sera utile. Je vous souhaite le meilleur avec vos clients. Et je vous dis à bientôt. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime ou partager. Et puis si vous le faites, vous allez voir, il va vous arriver des trucs extraordinaires.